C'est juste la métier. Fais une brique. Et ensuite, il y a la question de la responsabilité. Je suis désolée d'avoir gâché votre annonce à la fin de la corrida des prix. La façon dont vous pouvez répondre, c'est bien, c'est bien maintenant, on va faire ça. Si tu veux pas y aller, dans ces cas-là, tu descends. J'espère qu'ils ont parqué le World Trade Center en carton. Non, mais t'as rien. Moi aussi, je fais la technique du. Et je lui ai acheté, moi. S'il vous plaît, il nous faut du ventre devant, sinon ça ne montera pas. Il nous faut du ventre là-dedans. Dans celle-là. Ouais. Je suis là, dans cette structure-là. À l'intérieur de là, parce qu'on va réceptionner le toit. Peut-être Madame Barbeau. Allez, allez, appelez la porte. Voilà, regardez. Allez. On se la porte. Alex, se passe ta tête, ouais. C'est ça.
C'est bien d'avoir le, la caméra du coup, tu vois. Moi je porte, je veux pas trop. Voilà, je suis la seule à enregistrer. Oh, vous êtes prêts? Oh oui. Là, vous attendez. Ça nous rappelle qu'elle était à la télé. On est dans la prise d'antenne de téléphone. Et prenez un peu là. On ne peut pas écraser. Allez, venez, mesdames et messieurs, rentrez là. Allez, venez, venez. On a besoin de vous. C'est toi. Ça va? Pour que tout le monde se lève ensemble. Ouais. Ça, pour la suite, c'est super important. Là, ça va, on est en forme de pyramide, donc c'est stable. Quand on sera à 20 mètres de haut, si on fait ça. Ok, donc c'est super important. À mon signal, on se lève doucement pour rester ensemble. Ok? On se prépare. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, hop, on avance. Pas plus haut, on avance. Allez, voilà, merde. Félix,
Tu as gagné
Ah, il manque un petit peu de monde là-bas. Voilà, c'est bon. Attention. 1, 2, 3. Voilà. 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 Allez, on rentre ça, allez, on rentre ça. Allez, on rentre ça. On a besoin d'aide là pour soulever, ouais. S'il vous plaît. On peut soulever un tout petit peu là. Le pousser. Non, le soulever. Tu me mets où? Elle est dedans. Ça déclenche. Ils sont bloqués dedans. Donne mon téléphone. J'entends les photos. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Quand je te disais, elle est pas close. Non, je me suis dit. Elle est pas close. Ça te dépasse.
comme ça, et normalement l'autre, elle va là. Voilà, bougez plus, tenez-le bien. Donc on peut scotcher là pareil, on fait les angles comme ça, on peut dessus en dessous. Voilà. À peu près 5 mètres pour le mettre en position là où elle va être la structure. Là pour l'instant on est trop devant. Et il y a du coup les pièces qui sont déjà positionnées. Voilà. On part, alors je ne sais pas trop là, les repères. Pardon. Thank you.
Thank you.
Je sens pas mal. Je ne la sens plus. Ça devient de plus en plus lourd. On reste pas longtemps. C'est pas grave, les clous, et ça c'est l'objet magique. Là, c'est comment ça devient le problème.
Thank you.
Thank you.
vous soumet par en dessous. Une fois que c'est en dehors, faites attention à une nouvelle pièce qui arrive. Il n'y a pas assez de monde dans les angles, là, dans cet angle-là. Aïe, aïe, aïe.
Il est vite, non ? Bonjour à toutes et à tous. Je tiens, une fois n'est pas coutume, à commencer par des remerciements. Tout d'abord, merci à Olivier Grostet et à toute son équipe de nous avoir proposé un projet complètement fou et de l'avoir mené à bien avec un résultat qui dépasse très, très, très largement tout ce que nous avions pu imaginer. Merci à Marie Lavilluchana, première adjointe à la culture, et aux équipes municipales qui ont porté cette réalisation à bout de bras, au propre comme au figuré. Une mention spéciale aux équipes de la direction des affaires culturelles qui se sont investies à 200% toute la semaine pour faire de ce week-end un succès. Et merci évidemment aux centaines de bâtisseurs de Villeneuve ou d'ailleurs, qui ont consacré quelques jours, quelques heures ou quelques minutes
à la fabrication des modules ou à leur assemblage final. Mélange imaginaire du clocher de Sainte-Catherine, de la tour de Paris ou de celle de Pujol, cette tour éphémère est donc la quatrième tour de Villeneuve-sur-Lot. J'ai entendu hier soir bien des échanges sur le nom que nous pourrions lui donner, souvent orienté par des considérations géographiques. J'ai entendu des propositions qui s'orientaient sur la tour de Casse-Neuil, la tour du théâtre ou la tour de la République. Ce sont des bonnes idées. Pour ma part, je serais plutôt porté à la baptiser du nom de l'une des valeurs qui ont permis son émergence. Tour du partage, tour de la solidarité, tour du vivre ensemble. Au-delà de la prouesse artistique et technique, je retiendrai en effet surtout de cette aventure l'incroyable expérience humaine qu'elle nous a permis de vivre. Tout au long de la journée d'hier, des centaines de personnes se sont succédées sur ce chantier exceptionnel. Des personnes qui ne se connaissaient pas, des personnes de toute origine, de tout milieu, de tout âge, des personnes qui ont littéralement apporté leurs pièces à un édifice commun. Cette tour est l'illustration parfaite de la force du collectif. Seul, aucun de nous n'aurait été capable de réaliser une telle prouesse. Et chacun de nous a été nécessaire, au fil des heures, pour soulever cette tonne et demie de carton et de scotch et positionner les modules des niveaux suivants. Cette tour est l'œuvre majestueuse du vivre ensemble. Elle doit nous faire réfléchir à tout ce que nous sommes capables de réaliser lorsque nous agissons de concert, main dans la main, dans un esprit de confiance réciproque et de respect mutuel. L'actualité des dernières semaines et des derniers jours nous montre hélas tous les drames qui naissent du repli sur soi, du rejet de l'autre, de la peur et de la haine. Je forme le vœu que chacun des bâtisseurs de cette tour la garde en mémoire comme un repère, une lumière, un phare. Souvenons-nous toujours que c'est ensemble que nous faisons les plus belles choses. C'est ensemble que nous soulevons des montagnes. C'est ensemble que nous construisons nous de l'avant. Alors, bien sûr, cette œuvre est éphémère. Elle ne sera plus là demain. Je sais, j'ai reçu beaucoup de messages cette nuit, que vous auriez aimé la conserver plus longtemps. Mais ce n'est pas comme cela qu'elle a été pensée. La démolir, c'est une manière forte d'affirmer que l'essentiel n'est pas dans le résultat. On dit souvent que le plus important dans un voyage, ce n'est pas la destination, mais le chemin parcouru. De la même manière, le processus de création artistique a en réalité bien plus de valeur que l'œuvre elle-même. Nous sommes tous d'accord, cette tour est magnifique. Mais la leçon dont elle a été soulevée est encore plus remarquable. N'ayons donc aucun regret, bien au contraire. Nous allons procéder à la démolition collective de cette tour, mais demain, il nous restera l'essentiel, le souvenir inoubliable de cette expérience partagée. Merci à toutes et à tous, c'est tout simplement exceptionnel. Merci beaucoup. Madame Babelou, je sais que vous n'avez pas envie de la nuit tellement vous avez rêvé à cette tour. Un petit mot. Juste un petit mot pour vous dire que c'est un moment de grand bonheur parce que la culture, elle est non seulement dans les bâtiments, mais elle est aussi dans la rue. Et la culture, elle est faite pour tout le monde. C'est ce que nous avions promis de faire. Et bien, c'est réalisé. Donc, je crois que nous sommes ensemble et que le mot « ensemble » n'est pas un mot surfait. Donc, je suis heureuse. Tout simplement heureux d'être à vos côtés, monsieur le maire, pour tenir les paroles des promesses faites. Vive la culture, dedans et dehors.
Nous avons plutôt pensé à plusieurs choses. Et je tiens à préciser, parce que c'est également quelque chose d'important, c'est aussi l'union des services culturels, villes et agglomérations. Et c'est important, alors peut-être moins pour vous, mais en tout cas pour moi, de savoir qu'aussi tous les services culture sur l'ensemble du bassin sont unis dans maintenant toutes nos grandes manifestations. Monsieur Bostel, je voulais dire un mot avant de découper. Après. Bon, alors, venez autour de moi, là. Venez. Découpez, pas au ciseau, mais à l'objet grâce à qui cette tour a été possible, et je sais que vous êtes beaucoup d'entre vous à l'avoir eu en main. Allez, attention. Tiens, c'est toi qui découpe. Avec moi. Alors, tu veux les doigts, non? Bon, alors, mesdames et messieurs. Voilà, inauguré. Attention ma chérie, d'accord?
la démolition. Allez Amine, vas-y toi, va qu'elle là. Allez Amine, vas-y, 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 Thank you.
Là, il y a la pluie maintenant.
On a jeté le carton en équilibre. Mais là...